Salut à tous les amis, on est de retour pour la suite de notre aventure sur Silent Hill 2. On s'est arrêté ici la fois dernière, jusqu'on est descendu de ce petit bus. Et on va aller directement en face. Enfin, en face. On va tourner à gauche juste après. J'ai très peu de balles. Donc je sais pas comment je vais survivre à ça. J'ai essayé peut-être d'éviter certains ennemis. Parce que j'aurais absolument pas le choix. Par ceux qui rampent, hein, évidemment, parce que... Voilà. Mais il y en a certains ennemis que je vais devoir peut-être éviter. Pour essayer d'avancer, comme celui-ci, d'ailleurs. Si j'arrive à l'éviter, c'est pas plus mal. On va essayer de passer... On va essayer de passer par ce petit recoin. Peut-être que j'aurais pas dû. Ouais. Je passe entre les maisons. Ça va être compliqué. Ah. Ouais, je prends ça. Aïe, aïe, aïe. On va essayer de l'éviter. Ah, merde, il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue. Ah, si, il y a une porte là. Voilà, merci. Ça, je prends. Ça peut servir. J'essaie de prendre le plus de balles possible. Oh là là, la merde. Il y en a partout. Il y en a partout. Allez. Allez. Ah, je suis... Non. Je loupe sûrement des munitions quelque part ou des choses. Mais là, j'ai absolument pas le choix de les éviter. Pour rester en vie, il y a une porte ici, on va aller juste en face. Normalement, on serait peut-être un peu safe, on va dire. Let's go.
Ah bah dis donc, c'est compliqué, hein. C'est compliqué, compliqué d'avancer tranquillement en étant safe. Mais bon. Il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas. Et là, beaucoup trop, à mon goût. Ah là là, tu sais même pas comment je vais les avoir. Bah allez, on attaque celui-là d'abord. Allez, casse-toi. Ah. Une bonne fois pour toutes. On va essayer de fouiller. Allez, dégage. Ça, je prends. Ça fait toujours de plaisir de prendre des balles. Heureusement que les ennemis n'ont pas de flingue. Hein. Parce que ça aurait été compliqué. Ok. Il est où le téléphone? Ouais, il est là. Ah, les téléphones dans les jeux d'horreur, c'est jamais bon signe. Hein.
Ok, on est enfin dans ce parc. Bon, bah là, par contre, il faudra fouiller normalement. Bah, c'est un parc qu'on a déjà vu, on est déjà venu. Il y a quelques vidéos de cela déjà, et on avait vu une statue d'une femme qui apparemment était en train de prier la dernière fois. Et apparemment, il faut aller directement voir cette femme en question, cette statue, parce qu'apparemment elle posséderait une clé qui nous servira pour la suite. Allez, voyons voir. Fouillons l'endroit. Pour l'instant, je ne pense pas qu'il y aurait des ennemis dans le parc. Feeling better? This place is different from what I remember. I guess things never really stay the same, do they? No. I guess not. I don't think she's here anymore, James. Who? My mama. She doesn't. She doesn't want to see me anymore. Why would you think that? Anyway, I'm happy to see you. Happy to see me? Alive, I mean. Oh, yeah. I better get going. You still don't want me to go with you? If we stick together, we might just make it out of here. Out of where? This town. Silent Hill. No, it's fine. Okay. Oh, you didn't happen to see a little girl around here, did you? A little girl? Yeah, I... Angela? Are you all right? Angela? No. Please. You shouldn't be here. Angela, it's okay. No, don't touch me!
Ok. Donc, maintenant qu'on est dans cette nouvelle zone, je pense qu'il y aura beaucoup de choses à faire. Ni à fouiller. Non, ça va être. J'espère que ça va pas être pire que l'hôpital, hein. Mais bon, là, depuis le début de l'aventure, on a fait une résidence, je crois. Enfin, au début, c'était la rue, parce qu'il y avait, on était dans la rue, on devait récupérer des disques et tout, faire plein de magasins. Après, on allait dans une résidence, après, c'est un hôpital. Et là, on est dans une espèce de, on va dire, je sais pas, moi, un musée historique ou un truc comme ça, je sais pas ce que c'est. On va le voir de toute manière. Et on va essayer de fouiller au maximum ce qu'il y a ici. Pour l'instant, c'est que de l'exploration. Voyons voir la suite.
Ok. Voilà, c'est un endroit très chelou, avec plusieurs portes. Bon, de toute façon, j'en vois qu'une, hein, donc on va passer par là. Alors, continuons. Là, les sous-sols, les souterrains, les égouts, là, c'est pas mon délire du tout. J'aime pas ça du tout, les jeux d'horreur. Hein. C'est quelque chose qui me dérange un peu. Ah, j'entends du bruit. Hop, 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 hop. Je fonce, je sais pas où il est. Il est là. Il est où? Allez, mort, sors ton trou, voilà. Allez. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est que cette zone? C'est un enfer cette zone. Ça doit être 2, 3, 9 ou un truc comme ça. Ça doit se jouer entre les chiffres là. C'est un enfer. Parce que c'est les plus éclairés, donc à mon avis c'est en rapport avec ça. On va taper au pif hein, parce que là je vois pas du tout. Oh. Allez, on va trouver le code pour sortir de cet enfer. Allez, allume, allume, allume. Aïe! Ah, casse-toi! Il faut qu'on sorte vite de cet enfer avant que de se faire bouffer comme des rats là! Trouver
2, 9, 3. Non. 3, 2, 9. Ah! Alléluia! Oh là là, putain, c'était un enfer ce truc! Clé, d'accord. Oh putain, il faut que je retombe encore dans le trou! Je crois que j'ai pas le choix. Hein. Bon, c'est parti pour la grande cascade. Let's go! Big deal. Just put the gun to their head and Eddie? Oh. Hi, James. What happened here? Who was that? I don't know. It just came at me. Okay. So he attacked you, and you shot him? Yeah. Yeah, that's right, he made me do it. Okay, calm down, Eddie. Any idea why he would do that? I don't know. He came out of nowhere. Tried sneaking up on me in the dark. I heard footsteps, so I turned back and he was right there. And you could tell that he wanted to hurt you. Well, yeah, I mean, the way he looked at me, I just had to do it. He looked at you? I thought you said he came at you. Yeah, I mean, I could see it in his eyes. His eyes? He kept looking at me, making fun of me. I told him not to, but he didn't listen. Eddie, you can't just kill someone because the way they looked at you. You should see your face, James. I was just joking. The guy was dead when I got here. I got you, didn't I? Well, anyway, I better get going. Wait. You're gonna go out there alone? Yeah.
ok. On est dans les cellules et c'est un enfer. Bon, là, à mon avis, les amis, on va tout fouiller. Hein. Là, je vous le dis, on va tout fouiller de A à Z dans cette zone. On va prendre notre temps. Franchement, on va prendre notre temps et on va voir ce qui se passe. Je pense qu'il y aura forcément des ennemis. Il y aura peut-être des choses à récupérer dans les cellules, à droite et à gauche. On va essayer vraiment de tout fouiller au max. Là, il y a un serpent, ok. Il y a des portes avec des symboles. Donc là, il y a forcément un truc à faire avec ça. Ça, c'est une certitude. Il y aura forcément d'autres portes. Donc, on va fouiller. On va fouiller, et on va voir où ça nous mène. Let's go. Désolé, hein, si je parle pas beaucoup, mais bon. J'ai envie que vous rentrez un petit peu avec moi, comme dans... Enfin, comme dans un film d'horreur, que vous avancez avec moi dans le suspense. Et dans le stress. Let's go. Thank you.
Ok. Eh ben, dis donc. Ah, les portes, les machins. Maintenant, on sait à quoi elles servent, les portes. Hein. On sait à quoi elles servent, ces portes. Allez. Let's go. Bon, là, à mon avis, on va récupérer forcément au bout de ce couloir de l'enfer. Peut-être un poids qui va nous permettre, justement, de rajouter un poids, de jouer avec la balance, qui va nous permettre d'ouvrir d'autres portes avec les têtes de sangliers, des animaux là qu'on a vu là. Mais là, je pense que ça va être un terrible enfer de ressortir cette zone. Parce qu'à mon avis, on va pas nous laisser tranquille ici. Hein. Ça va être un enfer. Hein. On va pas récupérer le poids sans encombre, à mon avis. Hein. Ça va être un bordel.
C'est un enfer, les amis. Il faut que je trouve absolument cette combinaison pour pouvoir rentrer à l'intérieur. Ah, bah enfin. Allez, rentre. Ah, le fameux poids qu'on cherche depuis tout à l'heure. Ok, poids moyen, d'accord. Bon, maintenant, le bordel, c'est pour pouvoir ressortir d'ici.
Et pour retrouver la sortie, ça va être un enfer, parce qu'ils sont tous sortis des cages, et je pense qu'elle va être un gros bordel encore une fois. Et j'ai très peu de balles en plus. Donc c'est parti pour la merde. Et ça commence dès maintenant.
Bon les amis, on a enfin récupéré cette carabine, nouvelle arme. Et je pense aussi qu'on va s'arrêter à là pour cette huitième partie, je crois, je sais même plus tellement il y a de vidéos. J'espère que ça vous a plu, likez, partagez, abonnez-vous, et à la prochaine. Ciao, bye bye.